Dirty Under because I took the dance class. Tu peux donner ton nom? Picture après. Girl. That's how they call me in Harlem. That's how they call me everywhere. When I walk, picture girl, you have my picture, you have my picture. I say, when did I take the picture? I think it's 4 years ago. I was on 132nd Street and 7th Avenue. You remember? I was wearing a white suit. Oh, and I have to remember. And the other day, a man I photographed 25 years ago, I found the picture and brought it to him. He couldn't believe it. I hadn't seen him in 25 years. And here he was, selling political book. Où habites-tu? Où habites-tu? On the moon. And the wind today was perfect for flying. Tu peux dire deux mots sur le Chelsea Hotel? Le Chelsea Hotel, c'est un palais où s'est passé tellement de choses. Les employés sont adorables et le patron n'aime que l'argent. Ça, c'est sa folie, l'argent. Oh, Jimi Hendrix habitait ici et c'était fabuleux. Je restais toute la nuit à l'écouter, j'allais tout le temps l'écouter. C'est un génie, c'est un des plus grands génies, Jimi Hendrix. Einstein, Jimi Hendrix, tu vois, des grands musiciens comme ça. Tu fais quoi pour l'instant comme travail? Je me suis mise à la vidéo parce que l'endroit où je travaille depuis plus de 20 ans va disparaître parce qu'à Harlem, on met tout le monde dehors. C'est fini. Tous les gens que j'ai connus ou que je connais sont mis dehors les uns après les autres. Ça va à une vitesse incroyable. Et comment ils détruisent la communauté parce que... Ils ont enlevé tous les endroits où les gens se retrouvaient. Pour rester dans cet endroit, j'ai eu le droit à 4 ans avec l'avocat. Merci. Doupi, c'est mon petit ami. Je le connais depuis 4 ans. Et le papa de Doupi est en prison. Il a déjà passé 5 ans en prison. Et ce dessin que tu vois, Doupi l'a fait à ma table et il a dit, ça c'est moi et mon papa. Voilà, et tu vois, c'est entouré d'un cadre. C'est dans une maison. It's like a castle, hein, the drawings. Non? Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Oh, comme tout le monde, parce qu'il a transporté un peu de drogue ou de hard drug ou de coke ou d'herbe. Ou alors, la police, le gouvernement, ils sont tous là-dedans, les grands, ils sont tous là-dedans. Ils vont jamais en prison, c'est les petits et on gagne de l'argent sur leur dos parce que la prison c'est un très très grand business aux États-Unis. C'est vraiment, chaque fois que j'ai un ami qui est en prison, je vois que ça augmente. Par exemple, s'ils ont droit des coups de téléphone, leur téléphone leur coûte plus de 3 fois plus. Then the parents consent or the girlfriend consent and you go through an exam of your hands. And see if your hands have touched money, she was explaining that to me, or tobacco, or grass, or anything. She's a mother, a real church lady, came for 2 sons in prison. And they didn't let her in because something on the hand. And she said, all I have touched is my medicine. So she didn't see her 2 sons because something in her hand was not what they wanted. No, it's a real torture inside the prison. If you do something that they don't like, they put you in a box, and they beat you and hurt you. I mean, oh, because there is inside the prison a prison. And I have been wanting also to film the prison for children in the Bronx. It's all cement. And it has 4 floors under. And the kids are there from 8 to 16. You have the prison, then you have the school, and then you have the place where the people live. And they can see from the roof how is the prison. I'm going to videotape that. I would like to do that too, because I think people don't know enough that what is a prison. He didn't kill anybody, he didn't hurt anybody, he didn't rape anybody.
Why do they have to give him that? Probably an old cranky judge saw the color of his skin and gave it to him. That's how they do it. Then you have to look for a lot of money. Oh. Je vis, je ris, je danse. Et mon antidépressif, c'est rire et danser. Et le chocolat. Et le chocolat, oh, le chocolat le plus amer, j'adore.